Վեստերն Արմենիա TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր զրուցելու ենք Արեմ Մտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Լիդիա Մարկոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Մարկոսյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի իրավերն ընդունելու և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Տիկին Մարկոսյան, ինչպես կվերլուծեք թուրքական և ադրբեջանական ռազմական գործողությունները, որ կատարվում են այսօր։ Sur la question des opérations militaires effectuées sur le territoire arménien, je vois que le vocable de l'occupation est revenu sur la question arménienne. Or, l'Arménie occidentale dénonce la question de l'occupation de ces territoires depuis fort longtemps. Elle la dénonce devant les instances internationales, elle la dénonce auprès du peuple, auprès de notre nation. Et ce que je constate, c'est qu'un oubli a affecté aussi bien notre nation que l'ensemble des États dont cette question n'est pas à l'ordre du jour. Lorsqu'on parle de l'occupation, c'est l'entièreté des territoires arméniens qui doivent être appréhendés. La question de l'occupation de l'Artsakh fait écho à l'occupation de l'Arménie occidentale. Donc, ce qui se joue aujourd'hui, c'est véritablement une atteinte très grave sur le corps de la nation qui est affectée. Et pour comprendre cette question, je dois obligatoirement faire un détour sur la question de l'Arménie reconnue en 1920. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 1920? Il s'avère que sous l'égide de la délégation de son Excellence Boros Nubar, la nation arménienne a obtenu toutes les reconnaissances d'État. Non seulement une reconnaissance d'État par plusieurs États, mais aussi la définition d'une frontière dans le cadre de ce qu'on appelait le traité de Sèvres et que vous voyez ici une sentence arbitrale. Alors qu'est-ce qu'une sentence arbitrale? Sinon un acte juridique du plus haut niveau. Et nous ne pourrons pas trouver au niveau de la région une définition de frontière aussi évidente, éclatante, justifiée qu'est cette sentence arbitrale. Alors pourquoi je fais un détour par cet État arménien qui a été reconnu en 1920 et dont l'Arménie occidentale est l'État continuateur? Tout simplement parce que ces assauts militaires, ces opérations qui sont conduites donc à l'encontre du territoire et de la nation, puisqu'il s'agit aussi de crimes dont il est question, c'est précisément pour empêcher l'État arménien de 1920 d'exister. Pourquoi? Parce que lorsqu'on attaque l'Artsakh, on attaque en réalité cet État arménien de 1920 qui a été reconnu. Parce que nous ne pourrons pas déroger au principe du droit international. Le droit international a consacré la reconnaissance d'un État arménien. Et cet État arménien, c'était donc la partie occidentale, la partie qui concerne le Djavar, la partie qui concerne le Nakhitchevan, la partie qui concerne l'Artsakh. Voilà. Donc, moi, je suis effarée lorsque j'entends que le Nakhitchevan fait partie de l'Azerbaïdjan. Absolument pas. En droit international, l'État arménien qui a été consacré fait partie intégrante, le Nakhitchevan fait partie intégrante de cette Arménie reconnue en 1920. Alors, allons un petit peu, peut-être de manière un petit peu plus précise sur la question. Un État, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, un État, c'est un territoire. Alors, une population et un gouvernement dont nous sommes. Alors, pourquoi ces entités que sont la Turquie et l'Azerbaïdjan conduisent ces opérations militaires? C'est précisément pour empêcher cet État arménien d'exister. L'empêcher comment? Par l'anéantissement de notre population, un anéantissement par vagues successives qui a commencé en 1894 et non en 1915,
qui s'est poursuivi donc sur tout le territoire de la partie occidentale de l'Arménie. Et par vagues successives, comme nous savons, les nettoyages ethniques dans le Dersim en 1937. Nous avons eu des pogroms sur notre territoire également, où nous sommes autochtones dans ce qu'on appelle l'Azerbaïdjan. Donc, par vagues successives, sont conduits des programmes d'anéantissement des populations, tout simplement parce qu'une population, c'est un critère de constitution d'un État. Deuxièmement, comme je vous le disais, le territoire. Qu'est-ce que le territoire ? Le territoire, eh bien oui, il est occupé. Alors, une occupation pour justifier le fait de ne pas pouvoir exister en tant qu'État. Et enfin, donc, le gouvernement, eh bien, écoutez, moi, j'ai le plaisir de vous dire que cet État arménien de 1920 a un gouvernement dont nous sommes et qui défend les intérêts de la nation arménienne. Et nous nous inscrivons dans cette perspective, dans la continuation du travail accompli par la délégation de son Excellence Boros Nubar. La constitution de ce gouvernement donc, s'inscrit dans le prolongement du Conseil national de l'Arménie occidentale, qui est l'organe politique de l'Arménie occidentale. Voilà, donc ces opérations militaires n'ont d'autre objectif que de démembrer le corps de la nation. Or, nous, l'Arménie occidentale, nous considérons que c'est l'entièreté des territoires arméniens qui doivent être ici appréhendés, car ce qui se passe en Artsakh a directement écho à ce qui se passe en Arménie occidentale. Ce sont les choses qui sont liées. La racine du calvaire arménien prend sa source dans le fait que les réparations et les droits obtenus n'ont pas été appliqués. Ils ont été obtenus. C'est la raison pour laquelle nous disons que nous n'avons aucune revendication. Parce que nous avons déjà tout obtenu au niveau du droit international. Donc, la juste posture serait effectivement, et au regard de l'humanité, au regard de la justice qui doit être faite à la nation arménienne, car notre État n'est pas apparu ainsi. Nous existons, nous, notre nation, depuis plus de 10 000 ans, et nous avons même été à l'origine de l'existence des États, puisque nous considérons, pas seulement que nous, les faits sont attestés, et c'est au British Museum que vous pouvez retrouver l'attestation que l'État arménien existait parmi les premiers États du monde. Je trouve ça inconcevable que l'État arménien n'ait pas toute sa place au sein du concert des Nations Unies, qui ne siège pas pleinement comme État dans les instances internationales. Je crois que là, véritablement, il y a un vrai problème. Alors, l'autre volet de ces opérations militaires et qui conforte donc ces entités dans dans leur manœuvre, c'est la falsification qui est faite de nos droits. Il est tout à fait inconcevable qu'une résolution comme celle du Parlement européen puisse exister. Moi, je vous rappelle en deux mots, si vous le voulez bien, la question de cette résolution du 10 juillet 1987, qui est véritablement une honte nationale. C'est que si dans son article 1, eh bien, cette résolution reconnaît le génocide des Arméniens, eh bien, dans son article 2, et moi j'invite vraiment la nation arménienne à prendre à bras le corps cette résolution pour la dénoncer et pour la dénoncer devant les instances du Parlement européen, parce que c'est là que se joue la question, c'est de dire effectivement, nous n'acceptons pas l'article 2 de cette même résolution, tendant à dire que les Arméniens n'auraient droit à rien. C'est-à-dire que, imaginez, pour vous donner une image, c'est on rentre chez vous, on vous pille, on massacre votre famille et on vous dit vous n'avez droit à rien et vous allez vous exiler ailleurs. Donc, est-ce que, du point de vue de ce parallèle qui est fait, vous l'acceptez ? Eh bien, nous ne l'acceptons pas, parce que nous sommes un peuple autochtone et que nous avons des droits sur notre territoire.
Donc, la falsification des droits obtenus par les Arméniens participe de la situation existante aujourd'hui, y compris en Artsakh, parce que tout ce qui se passe, toutes les injustices qui sont à l'ordre, à l'œuvre aujourd'hui en Arménie occidentale, sur la partie occidentale du territoire arménien, eh bien, ont directement écho donc avec ce qui se passe en Artsakh. Et non seulement en Artsakh, puisque aujourd'hui nous voyons que la gangrène de l'occupation touche aussi maintenant la République d'Arménie orientale, où je suis ici. Il y a encore quelques jours, nous sommes allés donc en délégation donc rendre hommage à nos soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur lors de la guerre il y a 2 ans, déclenchée le 27 septembre. C'était quelque chose qui doit être rappelé. C'est parce que ces soldats qui sont tombés, qui sont-ils en réalité? Ce sont des fils de l'Arménie occidentale. Oui, moi ce que j'ai à dire, c'est que c'est l'entièreté des droits sur l'ensemble du territoire qui doit être appréhendé. On ne peut pas appréhender les intérêts de la nation de manière parcellaire. Les intérêts de la nation arménienne doivent être appréhendés de manière globale et non parcellaire. Vous prenez le corps humain. Si la partie occidentale de l'Arménie correspond au tronc, vous avez ici la République d'Arménie orientale, vous avez l'Artsakh, vous avez le Nakhitchevan et vous avez le Djavar. Voilà le corps de la nation arménienne. Tekin Markosyan, est-ce que vous avez azgayin irakan himnarar shahere? Alors, sur votre question, donc sur les intérêts fondamentaux de la nation arménienne. Alors encore une fois, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est que si nous voulons donc poursuivre l'application des intérêts fondamentaux de la nation arménienne, elle ne pourra pas faire l'économie de la prise en compte du paquet juridique obtenu en 1920. C'est tout le travail du corps diplomatique, de notre corps diplomatique. Je viens de nommer donc encore récemment donc un consul donc à Los Angeles. Nous avons des consuls en Amérique latine et notamment en Uruguay et en Argentine. Donc c'est un travail qui est fait pour faire connaître à l'ensemble des États donc l'ensemble du paquet juridique qui a été obtenu. C'est un point important parce que lorsque eh bien, je vois qu'ici, certains États célèbrent les anniversaires des relations diplomatiques, et notamment avec la République d'Arménie orientale, depuis son accession à son indépendance. Eh bien, non, ce n'est pas simplement 30 ans de relations diplomatiques qui sont à l'œuvre ici. Je voudrais rappeler, et notamment au Brésil, je voudrais parler des États-Unis, je voudrais parler en fait à l'ensemble des États qui aujourd'hui ont des relations diplomatiques avec l'Arménie, qu'elles ne datent pas d'hier, elles datent d'il y a bien longtemps, et d'au moins 100 ans, puisqu'elles ont été à l'origine de notre reconnaissance d'État. Donc moi j'invite vraiment les États à se rappeler au droit et à donc initier donc l'ensemble des activités que nous serons de toute manière à mener à travailler ensemble, puisque le droit est là pour l'attester et que nous ne pourrons pas le contourner. Quels sont les intérêts fondamentaux de la nation arménienne? C'est aussi Sèvres. Sèvres, ce traité éminemment important. Je voudrais rappeler tout de même que, vous savez, Sèvres, c'est la dignité des nations. C'est la dignité que doit recevoir aujourd'hui l'Arménie. Parce que l'ensemble des chapitres ont été appliqués pour ce qui concerne les États concernés dans ce traité, à l'exception de l'Arménie. N'y a-t-il pas là une injustice fondamentale à ce que ce traité ait été appliqué, non ratifié, mais appliqué? La France, par exemple, n'aurait pas pu poursuivre ses opérations dans le cadre des mandats qu'elle avait
au regard de ce traité, sans ce traité. Donc, mais même si elle ne l'a pas ratifié, et même si elle détient une responsabilité majeure dans ce traité, puisqu'il a été signé à Sèvres, dans la banlieue parisienne, eh bien, je crois qu'à un moment donné, il va falloir se pencher sur la question arménienne et se pencher pour appliquer ce que Sèvres avait prévu pour l'Arménie. Sèvres avait non seulement prévu des dispositions donc, au regard de ses droits, puisqu'il y a tout un ensemble d'articles la concernant, et notamment, et j'en parlais tout à l'heure, de cette sentence arbitrale, mais aussi la question des réparations. Parce que Sèvres contient aussi la question des réparations. Et j'aimerais ici m'attarder à l'article 92 de ce traité de Sèvres. Pourquoi c'est important de s'y attarder? Parce que là est la clé de résolution des problèmes de l'Arménie. Que dit cet article 92 du traité de Sèvres? Il dit que la définition des frontières orientales de l'Arménie, encore je parle de l'Arménie de 1920, c'est-à-dire de l'entièreté du territoire arménien, donc on a compris que si effectivement la frontière orientale était définie par la sentence arbitrale, la frontière occidentale, excusez-moi, était définie par la sentence arbitrale, la définition de la frontière orientale devait se faire au regard de cet article 92. Vous comprenez donc que les assauts et ces opérations militaires, j'en reviens à votre première question, ne sont autres que la résultante de la non-définition, de la non-résolution de cet article 92. Voilà ce qui explique, c'est-à-dire que cette entité qui est l'Azerbaïdjan essaye de repousser la frontière au plus loin de ce que ses forces peuvent lui permettre. Eh bien, nous considérons qu'au contraire, tout doit se négocier autour d'une table. Parce qu'à un moment donné, les opérations prendront fin et il faudra bien que l'Arménie, c'est-à-dire notre entité à nous, notre État, notre gouvernement, qui est juridiquement responsable de la résolution de cette frontière, soit mise à la table des négociations du groupe de Minsk. L'Arménie occidentale est l'entité juridique qui doit être donc négociatrice dans la résolution et la définition de ces frontières conjointement avec la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Voilà ce qui correspond aux intérêts fondamentaux de la nation. Je demande à cet égard à notre nation de s'emparer de cette question, donc au-devant des instances internationales, au-devant de l'ensemble des instances juridiques qui sont compétentes et qui peuvent donc nous amener à cette résolution. C'est ce qui est important. La question, lorsque je parle à la nation, c'est que effectivement, il y a une question la question de l'autodétermination de notre nation. Qu'est-ce que l'autodétermination, sinon la définition de ce que nous voulons pour notre nation? C'est-à-dire que vous allez à l'ONU et vous expliquez qu'il y a un certain nombre d'injustices liées à votre nation. Mais vous pouvez aussi l'appliquer à titre collectif. Et cette autodétermination à titre collectif n'est autre que la structure d'État de l'Arménie occidentale. C'est la raison pour laquelle je peux vous dire qu'en participant à la dernière session, mais pas seulement, du mécanisme d'experts des droits des peuples autochtones, je peux vous dire que les autres peuples nous regardent avec beaucoup d'attention. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que les nations veulent pour, en regard de leur statut ? Alors certains, effectivement, veulent un statut d'autonomie. Certains veulent peut-être un statut d'État. Nous, en tout cas, en tant que peuple autochtone, et nous sommes exemplaires en la matière, nous sommes le premier peuple autochtone qui avons reçu un statut d'État reconnu. Donc, je félicite d'ailleurs l'ensemble du corps diplomatique qui a pu amener
le paquet juridique auprès des Nations Unies. Et donc, vous pouvez retrouver aujourd'hui, de manière officielle, l'ensemble de nos études juridiques et l'ensemble de nos intérêts fondamentaux, donc, à l'intérieur de ce document, officiellement maintenant inscrit sur le site des Nations Unies. Voilà, donc, une exemplarité par rapport à notre nation, puisque certaines nations autochtones n'ont pas obtenu tout ce que nous, la nation arménienne, avons obtenu. Alors, il regarde avec attention comment le principe de l'autodétermination à titre collectif va être maintenant appliqué, puisque nous avons une structure d'État. Donc, comment cela va être appliqué, puisque pourquoi eux feraient le même cheminement, procéderaient au même cheminement de ce que nous avons fait, c'est-à-dire notre reconstitution d'État au niveau de tous ces organes judiciaires, législatifs et exécutifs, si demain, la communauté internationale n'applique pas l'ensemble des droits qui ont déjà été obtenus. Si on doit se reconstituer, eh bien parce qu'il y a un signal fort qui est donné par les Nations Unies en accordant une importance aux peuples autochtones, ce signal fort, il est fondé sur la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il y a un fondement. Si aujourd'hui les nations autochtones se rassemblent et revendiquent. Nous, nous n'avons pas de revendication, c'est ce que j'ai dit, nous avons déjà tout obtenu. Mais eux revendiquent le principe à l'autodétermination, ils mettent en place les mécanismes de reconstitution nationale, comme nous l'avons fait, mais après, quel est l'aboutissement si tout le travail qui a été fait ne trouve pas sa pleine application au sein au niveau international, c'est-à-dire effectivement, tous les attributs de souveraineté que nous devons recevoir, c'est-à-dire que un siège à l'ONU, un drapeau, un hymne national et une structure d'État qui existe et qui doit trouver maintenant sa pleine application. Տիկին Մարկոսյան, որն է այսօր Արևմտյան Հայաստանի դիվանագիտական գործը և կապված ընդհանուր հարցի հետ և այն ամենի, ինչ որ այսօր է կատարվում։ Alors, l'activité diplomatique nous concernant, c'est bien entendu de rappeler au monde et aux États quels sont les droits obtenus par l'Arménie occidentale. Cet État arménien, je le répète, reconnu en 1920. Il est de le faire parce qu'il y a eu, une carence complète. Hein. À l'issue du génocide, nos grands-parents et parents étaient à genoux et ne pouvaient véritablement prendre à bras le corps la question des droits de la nation arménienne. Mais aujourd'hui, je me félicite que de nombreuses personnalités maintenant nous rejoignent et que le corps diplomatique s'étoffe de jour en jour, et c'est très heureux. Concernant notre activité diplomatique, c'est ce rappel du paquet juridique, puisque, encore une fois, les mots qui affectent l'Artsar, le Nakhitchevan, sur l'entièreté de nos territoires, sont directement liés à ceux de l'Arménie occidentale. Alors, j'aimerais quand même vous informer que nous avons demandé, saisi le Conseil de sécurité pour que celle-ci prenne toute la mesure de ce qu'il se passe sur des condamnations formelles qui doivent être émises. Nous attendons ces condamnations, car je crois que c'est une œuvre de justice et d'humanité qui doit être faite à la nation arménienne, mais pas seulement à la nation arménienne, c'est une question d'humanité qui concerne l'humanité tout entière, car si la nation arménienne ne trouve pas sa pleine résolution, je ne vois pas en quoi d'autres nations pourraient trouver justice dans ce qu'ils subissent sous les joues de ce qu'ils peuvent subir. Deuxièmement, nous nous sommes attachés à la question des populations qui ont fait l'objet des populations civiles. Petite parenthèse, moi je ne comprends pas comment une armée peut s'attaquer à des populations civiles. C'est quelque chose qui sort de l'entendement, car l'art de guerre
ne présuppose pas l'attaque sur des populations civiles. Mais enfin bon, c'est une armée qui s'attaque à des populations civiles et qui ne respecte pas les principes de la guerre et inhérents à celle-ci. Et donc, au regard de nos populations civiles, eh bien oui, que fait-on de nos populations civiles qui ont été martyrisées? Je voudrais vous informer que nous avons fait une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le statut des réfugiés, des populations de Chouchi. À un moment donné, il faut bien s'attarder, se pencher sur leur situation. Je vous ai parlé de l'œuvre de mémoire que nous faisons systématiquement, bien entendu, au regard de tous nos martyrs. Nous avons un calendrier aussi qui concerne l'ensemble des fils de l'Arménie occidentale qui sont tombés. Nous rappelons dans les États où nous sommes établis, cette œuvre de mémoire qui doit être faite. Je voudrais à ce titre saluer tout particulièrement le travail du président de l'Association nationale des anciens combattants et résistants, M. Vrej Abramian, qui fait œuvre de mémoire en portant haut le drapeau de l'Arménie occidentale dans le cadre des cérémonies patriotiques dans lesquelles nous sommes associés avec les collectivités locales françaises. Et je souhaite à ce titre remercier officiellement l'ensemble des collectivités locales, des mairies qui ont associé l'œuvre de mémoire pour les 500 fils de l'Arménie occidentale qui sont tombés pour la France. Voilà, et puis vous dire que effectivement il y a une offense très grave qui est faite sur notre nation et que venger l'offense qui a été faite à la nation arménienne, c'est venger l'offense qui a été faite en réalité à l'humanité. Il y a une immoralité sans précédent de la part de la Turquie et de l'Azerbaïdjan qui les a de fait exclus du cercle de l'humanité. Շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար, Տիկին Մարկոսյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Լիդիա Մարկոսյանի հետ։ Կհանդիպենք։